Savez-vous ce qu'est la sérendipité ? Eh bien, il s'agit de l'aptitude à faire, par hasard, une découverte inattendue. C'est un concept que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il représente assez bien la thématique de cette chaîne. Et pour la petite histoire, cette notion étrange aurait été inventée en 1754 par le philosophe anglais Horace Walpole, qui a précisé avoir créé ce mot pour rendre hommage à un conte de fées qu'il aurait lu dans son enfance, intitulé « Les trois princes de Sérendip ». Sérendip étant un mot arabe désignant le Sri Lanka. Et dans ce conte, ces trois princes sri lankais avaient le don de tomber, par hasard, sur des choses merveilleuses. Par la suite, c'est un mot qui a principalement été utilisé dans le monde de la découverte scientifique. À titre d'exemple, on peut citer l'histoire totalement dingue de quelques paysans chinois qui, à la base, voulaient simplement creuser un puits et qui sont tombés en 1974, par le plus grand des hasards, sur le mausolée de l'empereur Qin. Une gigantesque structure enfouie qui contenait environ 8000 statues de soldats ayant quasiment toutes des visages différents. Et puis, comment ne pas citer le cas d'Alexander Fleming, un médecin et biologiste anglais qui était parti en vacances en laissant dans son laboratoire des boîtes de pétri, où il laissait se développer des bactéries. À son retour, et alors qu'il était à deux doigts de tout mettre à la poubelle, il a découvert, à sa grande surprise, que les bactéries n'avaient pas proliféré autour des moisissures. En essayant de découvrir pourquoi, il fit la découverte de champignons microscopiques qui avaient sécrété une substance antibiotique. La pénicilline était née, transformant à tout jamais la médecine moderne. Le hasard, l'inattendu, l'étonnant sont autant d'éléments déclencheurs de découvertes insoupçonnées. Alors évidemment, sur internet, les chances de faire une découverte si impactante pour l'humanité sont quasi nulles, car le virtuel a ses limites. Mais il arrive parfois que l'on tombe sur des choses vraiment inattendues. Et pour ça, trois éléments sont généralement nécessaires. Du temps libre, de la curiosité et une bonne dose de hasard. Le mystère que je m'apprête à vous présenter m'a fasciné. À la base, je l'ai découvert via une vidéo qui date déjà de quelques années sur la chaîne du youtubeur américain Barely Sociable. J'ai trouvé que, comme d'habitude, il avait réussi à dénicher quelque chose de très intéressant. Mais j'ai eu envie de creuser un peu plus profondément et j'ai donc décidé d'enquêter moi-même là-dessus. Et après quelques heures de recherche, je me suis retrouvé, un peu malgré moi, dans une zone, dans des recoins vraiment sombres d'internet et de la moralité humaine. Honnêtement, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais très très loin de m'imaginer où ça allait m'emmener. Mais outre ma surprise, si j'ai décidé de consacrer une vidéo entière à ce mystère numérique, c'est parce que je trouve qu'il illustre à merveille le fait que derrière un élément d'une banalité déconcertante peut se cacher quelque chose de profondément inattendu et d'absolument tentaculaire. Aujourd'hui, on va parler de spam, ces messages électroniques non sollicités, souvent publicitaires et parfois même malveillants, que tout le monde voit passer quasi quotidiennement sur internet. Ces messages, qui ne sont bien souvent que des publicités ou des arnaques, font tellement partie de nos existences numériques qu'on n'y fait même plus vraiment attention. On les voit passer, on sait très bien qu'ils ne sont là que pour nous soutirer de l'argent, et nos cerveaux ne prennent même plus le temps de traiter ces informations. Il termine dans la corbeille de nos boîtes mail et dans celle de nos esprits, l'ignorance. Le mystère que je m'apprête à vous présenter partira donc d'un de ces messages publicitaires non sollicités. Et si vous doutez qu'un spam peut renfermer une histoire intéressante, eh bien je vous garantis que je n'exagère pas en disant qu'il s'agit très certainement du mystère numérique avec le plus de ramifications qu'il m'ait été donné de voir. Installez-vous confortablement, likez et abonnez-vous à la chaîne si ça n'a pas déjà été fait, et accompagnez-moi dans les abysses d'internet en explorant les mystères qui se cachent derrière ces étranges spams venus de Chine. Allez, c'est parti. Ah, les forums internet. Ces endroits où les passionnés d'un sujet précis peuvent se retrouver pour échanger et partager leur engouement pour cette thématique. L'arrivée des réseaux sociaux au début des années 2000 a malheureusement entraîné une désertification massive de ces plateformes d'échange. Mais même s'ils ne sont plus aussi fréquentés qu'avant, l'immense majorité des forums sont toujours accessibles. Et c'est à partir du début de l'année 2019 que quelque chose d'assez étrange s'est produit. L'apparition de spam proposant un service de vente de faux diplômes universitaires. Et quand je vous dis que ces spams ont inondé les forums de l'époque, je n'exagère pas. On parle bien de plusieurs dizaines de milliers de forums qui ont tous été spammés avec les mêmes messages. Peu importe le sujet, la taille du forum, sa langue, bref, l'immense majorité des forums du net ont été touchés par ce phénomène.
Et puis, à la fin de l'année 2020, ce fut le tour des espaces commentaires des articles de blog, sur les réseaux sociaux et même dans les commentaires de gros sites d'information. En moins de 2 ans, un nombre totalement vertigineux de plateformes internet se sont retrouvés débordés par ces messages publicitaires chinois. Juste pour que vous compreniez bien l'ampleur de cette invasion de spam, sur un forum consacré aux huiles essentielles pour les animaux, parce que oui, visiblement, ça existe, un utilisateur a publié près de 1500 fois le même post en quelques jours seulement. Bon, intéressons-nous de plus près à ces messages. Alors, je ne parle pas du tout chinois, donc on va s'en remettre à Google Traduction pour essayer d'avoir une première idée globale de la teneur de ces messages. On a vraiment l'embarras du choix, donc prenons un site français, lerolistrouennais.fr, un forum pour les amateurs de jeux de rôle de Rouen et ses alentours. Visiblement, il y a 5 topics qui ont été créés par les spammers, donc prenons-en un au hasard. Clic droit, traduire, et voilà. Bon, je vous épargne la lecture de cette traduction hasardeuse, mais on peut lire, en gros, que le spammeur propose un faux diplôme pour l'université de Bonn en Allemagne, mais également de faux relevés de notes et tout un tas d'éléments supposés appuyer la crédibilité de ces faux diplômes, comme le fait que leurs produits comportent des filigranes, des ombrages, bref, un travail de faussaire professionnel. L'annonce précise aussi que les faussaires peuvent également joindre un faux certificat d'ambassade actant de la présence de l'étudiant chinois dans le pays étranger. Ici, l'Allemagne donc. Et puis il semblerait également que ce mystérieux spammeur propose une sorte de service après-vente concernant ses faux diplômes. Je ne vois pas bien à quoi pourrait servir une assistance téléphonique dans ces cas-là, mais pourquoi pas. Et je précise également que si ce spam fait de la publicité pour l'université de Bonn, il existe des spams pour à peu près toutes les universités du monde. Honnêtement, en faisant mes recherches, je crois que j'ai vu des mentions pour toutes les universités qui existaient, et j'en ai même découvert pas mal de cette manière. Bref, 2 choses. Premièrement, je ne vois pas pourquoi des étudiants chinois iraient sur des forums de passionnés de jeux de rôle de Rouen. Bon, peut-être qu'il y a quelques rôlistes chinois sur Rouen, mais des rôlistes chinois qui voudraient acheter un faux diplôme d'université allemande à Rouen, il doit pas y en avoir beaucoup. Mais en tout cas, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un gigantesque marché pour ces faux diplômes d'université étrangère. En Chine, il existe une pression culturelle, et souvent familiale, liée à la réussite, qui n'a vraiment rien à voir avec ce que l'on peut connaître en Occident. Alors, évidemment, quand une famille fait le sacrifice d'envoyer un de ses enfants étudier dans une prestigieuse université à plusieurs milliers de kilomètres du foyer, eh ben, c'est généralement mieux que l'étudiant en sorte avec un diplôme. Et si en Occident on accorde une importance à la réussite sociale, il semblerait qu'en Chine ce soit vraiment beaucoup plus important. En résumé, et sans m'aventurer dans des particularismes culturels que j'ignore, il semble indéniable qu'un étudiant chinois qui part étudier à l'étranger aura bien plus de pression sur les épaules qu'un jeune français qui va faire un Erasmus à Berlin par exemple. Et puis, il y a également d'autres paramètres à prendre en compte, les barrières culturelles et notamment celles de la langue. À mon avis, ça ne doit pas être forcément très simple pour un jeune adolescent chinois d'aller étudier l'économie en allemand, en suédois ou en italien. Entre l'incompréhension, la perte de repères liée au déracinement, à la pression familiale colossale, l'obtention d'un diplôme étranger doit représenter un gigantesque défi pour ces jeunes étudiants. Et naturellement, parfois, même avec toute la bonne volonté du monde, il arrive d'échouer. Vous comprenez donc pourquoi le marché des faux diplômes étrangers peut représenter un réel intérêt pour les jeunes chinois expatriés. Bref, refermons cette parenthèse et retournons à nos spams. Peu importe la plateforme, la seule chose qui change est le nom de l'université. Sinon, tout est rigoureusement identique. Et surtout ce numéro WeChat, qu'on imagine fait pour contacter les faussaires, et un nom, Andy. Pour faire simple, WeChat est une application mobile qui permet, entre autres, de communiquer, un peu comme WhatsApp, tout en offrant un très large panel d'autres services. En tapant ce numéro sur Google, on se rend bien compte de la masse totalement folle de résultats et de l'ampleur de cette entreprise de spam à l'échelle mondiale. Je trouve ça hallucinant. Sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté des mystères numériques qui impliquaient des spams massifs. Mais là, je crois qu'on tient un nouveau champion. Clairement, vu le nombre, il n'y a aucun doute possible. Tout ça est le travail de bots, de process automatisés qui scannent le net à la recherche de plateformes sur lesquelles il est possible de créer un profil, puis de poster à de très nombreuses reprises pour donner un maximum de visibilité à ses publicités. Le problème, eh bien, depuis 2019, les plateformes en ligne sont dotées de protocoles anti-spam.
Entre la validation des adresses mail avant de pouvoir poster et les captchas, le spam à si grande échelle est devenu assez difficile. Mais vous connaissez l'informatique, rien n'est jamais vraiment impossible. On peut notamment citer XRumor ou XEvil, des bots qui ont été spécifiquement programmés pour reconnaître près de 9000 captchas différents et donc capables de poster sur des forums où il était à la base impossible de poster pour un bot. Et si par le plus grand des hasards ces bots ne peuvent pas poster sur un site précis, eh bien ils le sauteront et passeront au prochain de la liste, le tout en quelques secondes seulement. Bon, je ne vous cache pas que j'ai essayé de savoir qui se cachait derrière tout ça. Et plutôt que de trouver une identité, j'ai trouvé des choses vraiment très dark. Et au final, ce business de faux diplômes n'est que la partie émergée de l'iceberg. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai trouvé. En observant le nom des comptes qui postaient les spams, il est possible de remarquer que dans de très nombreux cas, ils commençaient par D-Y-E-L-L et étaient suivis de chiffres et de lettres random. Après en avoir tapé quelques-uns sur Google, j'ai testé celui-ci. D-Y-E-L-L-G-U-F-U-0-0-1. Et voilà sur quoi je suis tombé. Deux résultats qui vont s'avérer très intéressants pour la suite de cette enquête. Commençons par le premier, ziu.com. Après un coup de Google Trad, il est possible d'apprendre que ziu.com est une plateforme qui semble totalement légitime et qui propose aux sociétés de créer leur site web tout en fournissant tout un panel de services liés à l'e-commerce. Bref, observons de plus près cette page. Déjà, on peut remarquer qu'on est sur la bonne piste parce qu'il est possible de voir qu'il s'agit du profil d'un dénommé Andy. Andy qui, je le rappelle, était le nom mis en avant dans les spams et à qui était associé le numéro WeChat. Andy, consultant en éducation à l'étranger. Et puis une sorte de question-réponse en lien avec les services proposés par ce dernier. Et bon, de ce que je comprends, le mystérieux Andy semble répondre assez correctement aux questions qui lui ont été posées. Enfin, compte tenu du service illégal qu'il propose. Tout ça semble donc vraiment très pro pour ce qui doit certainement être une sorte d'arnaque. Mais comme ziu.com est un site sérieux, il est possible de lire qu'en raison de violation de la charte d'utilisation, cet utilisateur a été banni de la plateforme. J'imagine que les administrateurs de ce site n'avaient pas envie qu'un faussaire se fasse de la pub sur leur site. En effet, peu importe de savoir si au final ils fournissent bel et bien de faux diplômes une fois qu'on leur a envoyé de l'argent, falsifier des documents officiels reste illégal. Et bien évidemment, l'IP de ce cher Andy a été masquée. Donc malheureusement, on n'aura pas plus d'informations grâce à ce profil. Même si cette piste semble être une impasse, on sait désormais que la personne qui est derrière ces spams est méthodique et relativement sérieuse dans sa manière de communiquer. Mais heureusement pour nous, même s'il s'agit d'un business bien ficelé, Andy, ou quiconque se cache derrière ça, a commis une erreur assez grossière. Une erreur qui va d'ailleurs nous permettre de comprendre ce qu'il se cache réellement derrière tout ça. Et spoiler, les choses vont devenir tout d'un coup beaucoup plus sombres et bizarres. En effet, comme je vous le disais en introduction, il arrive parfois que l'on parte de quelque chose d'assez banal et de pas bien grave au final pour arriver totalement par hasard sur quelque chose de bien plus intéressant et préoccupant. Évidemment, proposer de faux documents est illégal, mais croyez-moi, vous allez très rapidement oublier ces histoires de faux diplômes en voyant ce qu'ont laissé traîner derrière eux ces faussaires. Retournons à nos résultats Google et intéressons-nous au deuxième lien. Une liste d'emails. Toutes des déclinaisons en D, Y, E et d'autres codes à côté commençant par L, S, J. Bon, je n'en ai pas la certitude, mais je pense qu'il s'agit d'un fichier qui n'avait absolument pas à se retrouver aussi facilement accessible. Et d'après moi, il s'agit ni plus ni moins du fichier où étaient référencées les adresses mail ainsi que les mots de passe associés, les codes commençant par LSJ, qui avaient été utilisés par les bots pour créer de faux profils sur les forums et spammer à grande échelle. D'ailleurs, j'ai essayé de me connecter à certaines des adresses grâce aux mots de passe et c'est bien ça. Malheureusement, les adresses que j'ai testées ont toutes été désactivées, mais les mots de passe fonctionnaient bien. Alors, je ne sais pas vous, mais je trouve ça complètement dingue de me dire qu'ils ont laissé traîner ça, et qu'une simple recherche Google permette d'accéder à un fichier si secret. Et bon, voilà, c'était la fin de l'introduction de cette vidéo et les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer.
Mais avant de s'immerger dans les tréfonds d'Internet, on va prendre quelques secondes pour souffler. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour vous abonner, mettre un petit commentaire, liker cette vidéo, etc. Et je vais également en profiter pour vous dire que j'ai dû censurer pas mal de choses dans cette deuxième partie. Déjà parce que j'ai passé des journées entières à copier-coller des trucs sur Google, et que beaucoup de pistes étaient trop cryptiques pour moi, et que certains résultats donnaient des choses qui n'étaient pas vraiment compatibles avec YouTube. Je ne vais donc pas tout vous montrer, mais vous en saurez suffisamment pour vous faire une idée assez précise de ce que j'ai pu trouver. Dans tous les cas, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous aurez le droit à votre dose de glauque et de bizarre, je vous le garantis. Bon, prêt à plonger dans les profondeurs? Allez, retournons au fichier contenant les identifiants de connexion. Alors, comme je vous le disais, il est possible de trouver les adresses mail et les mots de passe associés, mais on trouve également de nouvelles combinaisons de chiffres. En faisant des copier-coller de ces nouvelles combinaisons, on tombe sur de nouvelles plaquettes publicitaires pour les faux diplômes, un étrange profil SoundCloud avec 20 secondes de silence, et tout un tas d'autres trucs du style dont je n'arrive pas à comprendre l'utilité et que je ne vais pas vous lister ici parce que sinon la vidéo durerait 2 heures. En retournant sur l'espèce de base de données avec les identifiants, on peut également trouver deux URL. La première est an5858.com, dont l'intitulé ressemble d'ailleurs beaucoup à A858, un autre mystère numérique concernant des spams massifs dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Mais bien sûr, ça n'est qu'une simple coïncidence, hein? Ah, allez, ne nous dispersons pas. Regardons ce que donne cette première URL. Bon, visiblement, le site est down et le nom de domaine est à vendre. Cependant, grâce à la Wayback Machine, il est possible de voir à quoi ressemblait le site fin 2019. Et bon, clairement, ça ne nous aide pas vraiment. La seule chose intéressante à noter est qu'il y a des choses écrites en coréen qui ne font d'ailleurs pas vraiment de sens. Et ça en a encore moins quand on copie-colle le mot en coréen dans Google Images qu'il y a sur les boutons qui donnent des sortes de glitch. Bon, cette fois-ci, tapons l'URL dans Google. Une fois de plus, il y a un très grand nombre de résultats qui ne sont pas vraiment exploitables, mais on peut remarquer que l'immense majorité de ces pages sont désormais en coréen. Parmi les rares choses intéressantes, on peut citer une page Medium.com, qui est une sorte de plateforme de blogging américaine. En la traduisant, on tombe sur ce qui semble être du contenu rédigé par un bot avec l'URL en question et qui semble être une sorte de service de massage fait par des étudiantes dans le quartier de Gangdong à Séoul. Bon, je crois que vous commencez à voir venir le truc, mais vous allez voir que c'est loin d'être terminé. En faisant un whiz de ce nom de domaine, on se rend compte que la plateforme a été immatriculée à Hong Kong. On a commencé en Chine, on est passé par la Corée, et maintenant on se retrouve à Hong Kong. Bon, retournons à la liste des résultats. Oh tiens, un lien Dailymotion. Voyons voir ça. Avec un peu de chance, on va peut-être enfin pouvoir tomber sur quelque chose qui a du sens. Bon, du coup, non. Et on ne peut pas vraiment dire que j'ai la moindre idée de l'utilité de ce type de vidéo. Au total, il y a 137 vidéos, qui ne sont d'ailleurs quasiment que des re-uploads des 4 mêmes vidéos qui durent entre 2 et 3 secondes, et bon, voilà, je vous laisse juger du contenu. Mais quand on regarde les titres des vidéos, on trouve tout un tas de noms de domaines avec des URL qui se suivent plus ou moins. XO42.net, XO43.net, HIS34.net, HIS35.net, etc. Et bon, quand on va sur ces sites, certains ne donnent rien et d'autres contiennent des choses que je ne peux pas montrer ici, qui mettent en scène de très courtes vidéos avec deux jeunes filles assez peu vêtues, on va dire ça comme ça. En essayant de copier-coller certaines URL contenues dans les titres des courtes vidéos de la page Dailymotion, on tombe bien souvent sur des articles de blog qui sont clairement des spams et qui parlent tous de ces services de
massage fait par des étudiantes. En me renseignant un peu sur le business des massages prodigués par des étudiantes en Corée, et plus spécifiquement dans le quartier de Gwangdong de Séoul, je suis tombé sur quelques articles assez terrifiants. Tout d'abord, j'ai appris que les massages d'étudiantes étaient bien plus courants que je ne l'imaginais en Corée du Sud. Mais je suis également tombé sur des rapports du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de l'ONU qui alertaient la société internationale du fait que de plus en plus de jeunes fugueuses coréennes disparaissaient des radars et étaient retrouvées en train de faire contre leur gré des massages dans des quartiers comme celui de Gwangdong. Et pire encore, cette institution onusienne dénonce le fait que ces jeunes filles viennent parfois d'autres pays d'Asie bien plus pauvres, d'où on les arrache à leur famille contre de belles promesses et qui se retrouvent, bien malgré elles, à devoir devenir des masseuses, parfois même sans aucune contrepartie financière. Bon. Je ne dis pas que les personnes derrière le business des faux diplômes trempent également dans l'enlèvement de jeunes filles pour les forcer à devenir masseuses. Je n'ai aucune preuve solide là-dessus, donc je préfère m'abstenir de toute conclusion péremptoire. Peut-être qu'au final, ils ne sont que des faussaires et qu'ils trempent juste dans le cybersquatting. C'est-à-dire qu'ils achètent tout un tas de noms de domaine et qu'ils les revendent au plus offrant pour se faire de belles marges sans trop d'efforts. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, une chose me semble certaine. Andy, ou plutôt les personnes qui se cachent derrière, semblent tout de même tremper dans ce type de business. Tout aussi illégal, mais bien plus condamnable moralement. Parce qu'au final, tout ceci semble être lié d'une manière ou d'une autre, mais je vous laisse vous faire vous-même un avis sur la question. Bon, bougez votre souris, ou appuyez sur l'écran de votre smartphone, ou de votre tablette. Faites-le et regardez la barre de progression de cette vidéo. Il reste encore un peu de temps, hein. À votre avis, est-ce que ça signifie que la conclusion sera très longue, ou bien qu'il reste encore tout un tas de trucs complètement bizarres à explorer? Et oui, effectivement, ça n'est pas terminé du tout. Sauf que si tout ce qu'on a exploré à présent pouvait, à la limite, avoir un peu de sens pour moi, je vous confesse n'avoir aucune certitude vis-à-vis de la suite de cette enquête. Vraiment. Alors, à mon avis, si je n'ai rien compris à ce point, je pense que c'est parce que je suis profondément ignorant en ce qui concerne la culture chinoise. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qu'on s'apprête à explorer ensemble, je lirai avec beaucoup d'attention vos commentaires. Bon, assez parlé. Replongeons-nous dans ce que j'imagine être les tréfonds de l'internet chinois. Dans la liste d'identifiants que nous commençons à bien connaître, il est possible de trouver un autre site, t766.com. Visiblement, ce site est down lui aussi, mais on peut trouver une adresse de contact. 77000823@qq.com. Adresse mail que l'on retrouvait d'ailleurs parfois sur certains posts de spam concernant les faux diplômes. Bref, en googlant ça, on tombe sur une liste assez gigantesque de noms de domaines. Pour vous donner une petite idée du volume que ça représente, j'ai arrêté de compter à partir de 150. Mais la liste est à mon avis bien plus longue que ça. Je ne les ai donc pas tous essayés, mais l'immense majorité d'entre eux étaient down, et indiquaient que le nom de domaine en question était en vente. Beaucoup n'étaient d'ailleurs que des sites miroirs faits pour augmenter le référencement d'autres sites. Bref, rien de bien intéressant. Mais parmi tous ces sites désormais inactifs, je suis tout de même tombé sur celui-ci. Et là, ça y est, on est dans les abysses d'internet où tout du moins, ça y ressemble bien. Déjà, on peut relever l'esthétique assez particulière de cette plateforme, que j'aime beaucoup au passage et qui rappelle vraiment l'internet du début des années 2000. A priori, il y a tout un tas de noms de domaines en .com avec des nombres devant, dont d'ailleurs certains figuraient déjà dans les titres des vidéos Dailymotion. Et quand on clique sur certains de ces liens, on tombe sur ce qui me semble être des sites de jeux en ligne. Enfin, je pense. Il y a également des sites qui semblent être consacrés à des résultats de loterie, et des plateformes avec ce que j'imagine être en rapport avec l'astrologie chinoise, mais je ne sais absolument pas à quoi peuvent bien servir ces centaines de sites. Parce que oui, dès qu'on clique quelque part, on se retrouve sur des sites différents. Et honnêtement, je ne comprends absolument rien. Je comprends d'ailleurs encore moins quand c'est traduit en français que quand c'est en chinois. Et évidemment, je ne vais pas vous montrer ça dans la vidéo, mais il y a pas mal de contenu interdit aux mineurs. Et voilà, des tonnes et des tonnes de pages dont, une fois de plus, je n'arrive pas à saisir le sens.
Je m'arrête là dans l'exploration de cette curieuse plateforme et de ses ramifications. Mais vraiment, croyez-moi quand je vous dis qu'on pourrait passer des journées entières à cliquer partout en tombant sur des sites, tous différents les uns des autres, dont le contenu me dépasse totalement. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas certain de ce que j'ai trouvé, ni des liens qui peuvent exister entre ces différentes activités, ni quoi penser du potentiel dénominateur commun à toutes ces plateformes. Mon intuition est que d'une certaine manière, tout ceci est relié à une sorte d'organisation criminelle sévissant en Asie, et ayant un pied dans la contrefaçon de diplômes, les jeux d'argent en ligne, la revente plus ou moins légitime de noms de domaines, voire le cybersquatting, et certainement les massages d'étudiantes. Peut-être, peut-être pas, encore une fois, je n'en ai aucune idée. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? Eh bien, c'est qu'après une pause de 2 ans, les spams assurant la promotion des faux diplômes ont repris. Avec ce coup-là, un nouveau numéro WeChat et visiblement des bots encore plus performants. Regardez, sur un seul forum et en quelques jours seulement, un même compte a posté plus de 20 000 fois. C'est juste hallucinant. Plus je recherche des choses à ce sujet, et moins j'ai de certitudes. Et visiblement, tout ceci est très loin d'être terminé. Une chose est en tout cas certaine, je n'ai fait qu'érafler ce sujet. Je n'ai visité qu'un dixième de tous les sites, je n'ai pas testé toutes les adresses mail, je ne suis pas allé voir ce qui se cachait derrière la 25e page de tous les résultats Google que j'ai pu trouver. Mais au final, même s'il est difficile de tirer une conclusion ferme de tout ça, je trouve fascinante l'idée de se dire que derrière un simple spam peut se cacher quelque chose d'aussi sombre que tentaculaire. Et cette enquête illustre bien ce qu'est pour moi la sérendipité. Laisser le hasard nous guider vers quelque chose qui n'attendait qu'à être découvert. Alors, c'est vrai qu'on est loin d'avoir découvert par accident un tombeau renfermant la sépulture d'un monarque oublié. Mais à défaut d'être tombé sur 8000 statues de soldats en terre cuite, ayant tout un visage différent, on est tombé sur 8000 sites chinois, avec eux aussi des visages différents des uns des autres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à me donner des informations sur les très nombreux éléments qui auraient pu m'échapper. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait, et à la partager à vos amis. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont laissé des commentaires sous les précédentes vidéos. Ça me motive énormément et ça aide beaucoup la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.